Hello, coucou tout le monde, c'est Yota, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre série sur Dishonored. On va commencer directement, les amis, rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu pas mal de choses depuis l'épisode 3. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait comme ce que je vous avais dit, j'ai looté un peu toute la zone qu'on avait fait jusqu'à présent. Je suis allé prendre des viscères dans le laboratoire là du docteur Tanzani, là, je sais plus comment il s'appelle. Je suis allé mettre les viscères dans un bac là où il y avait des, enfin dans une distillerie là où il y avait des brigands. C'était plutôt chaud. Je vous avoue que c'était plutôt tendu. J'ai bien galéré. Donc voilà. Donc on est allé ici. Je suis allé ici. J'ai looté toute la zone. J'ai fait le truc et on est allé là-bas au fond histoire de faire tout le bordel. Là, il nous reste un portail foudroyant à désactiver. On va faire immédiatement. Voilà. Du coup, il me semble que j'avais la possibilité de passer par là. Je veux pas dire de conneries. Oula, j'avais oublié qu'il y avait tous ces rames. Je crois que par là-bas, il y avait des mecs. On va peut-être pas y aller comme ça, alors. On va peut-être pas y aller comme ça. Monte par là, mon ami. On va passer par la gauche, du coup. Vas-y. Il y a peut-être des... Tu m'as pas vu. Je suis invisible. Non, je croyais qu'il y avait des mecs, mais en fait, il n'y en a pas du tout. Bon, écoutez, les amis, on va avancer. Histoire que ça dure pas non plus 10 000 ans. On va aller se planquer là-bas. Toi, tu m'as pas vu. Voilà. Très pratique, hein, le clignement. Vraiment très, 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 très pratique. Vous pouvez voir qu'on peut faire des dashs avec. Hey, tu me devais pas un verre ? Des dashs qui sont plutôt sympathiques, on va pas se le cacher. Oula, mais je t'avais pas vu, gros. Oula ! Hop, une rune, c'est parfait. Ok. Très bien. Là, on a encore des trucs. Ça, c'est cool. Ok, ok. Ok, toi, t'es là. Il y en a un autre qui bouge, hein, si j'ai bien vu. Qui est juste là et qui m'a repéré. Excellent. Tu m'as pas vu, gros. Arrête. On va s'avancer tranquillement de lui. Voilà, voilà. Pareil, le truc pour faire disparaître les ennemis, c'est vraiment super pratique. On va vite faire aller voir par là. Ouais, y a encore quelqu'un qui rôde. J'abandonne. Je suis pas là. Vous m'avez pas vu. On va monter ici. C'est ça, battez-vous entre vous, les mecs. Barre-toi. Ah, c'est pas vrai, vous m'avez pas vu là. Tu vas pas me trouver, gros. Où es-tu? Ok, lui, on va essayer de le buter. Aussi dur à choper que des mixis. Parfait. Et de 1. Et de 2. Vous m'avez pas vu, les mecs. Ok, ok. Ah, il me semblait bien que j'avais vu des mecs quelque part.
On va fouiller. Oh, ça c'est bien ça. Du soin et de la mana. C'est plutôt cool. Du coup, on va te fouiller aussi. Des petites pièces, ça c'est bien. Non, toi on s'en fout. Du coup, ici tout le monde est mort. Excellent. Tout le monde est mort ici. Je vais vite fait aller voir là-bas ce qui se passe. Le cœur. Le cœur me dit qu'il n'y a rien. Et ici, on va retomber. Ok. D'accord. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. On va pouvoir avancer tranquillement, les amis. Pas rester 3 heures au même endroit. Au pire, je reviendrai moi le looter si jamais j'ai oublié des trucs. C'est une autre zone. Ok. Change d'endroit, bureau du grand superviseur. Ça va être chaud les mecs. Faut pas qu'on oublie qu'il faudrait qu'on sauve le père de l'autre là. Non pas Lydia, je sais plus comment elle s'appelle. Ok. Ok, ok, ok. Ce sont les démangeaisons qui vous rendent fou. Ou les rats. Je vais faire le tour vite fait avant de libérer lui au cas où il y a du monde. Parce que je sens que. C'est moi, le superviseur Martin. De toute façon, ça va arriver. Hein. Il n'y avait qu'un seul ennemi. Ça pue. Ce masque vous va ravir. Je sais qui vous êtes et ce que vous venez faire ici. Et je peux vous aider. Libérez-moi et je vous paierai un verre. Et comment je te libère, gros? Je vous en paierai autant que vous voulez. J'ai des problèmes de circulation et il semblerait que j'ai oublié mes gants. Non. Diriez-vous de me libérer? C'est le levier d'ouverture. Ah, ici, ok, d'accord. Je le sens mal. Ça fait du bien d'être debout. Merci, Corvo. Votre mission de ce soir est de la plus haute importance. Il faut trouver Emily, donc tuer Campbell. Et tuer le vite. Quand ce sera fait, récupérez son journal. Son fameux livre noir. Ensuite, filez. Campbell s'entretient avec l'officier Curnow. D'après mon informateur, Campbell va vouloir l'empoisonner. Peut-être pouvez-vous en tirer avantage. Bien, je ne vous serai d'aucune aide ici. Ok, bon, j'ai sauvé lui. Et il y a personne. Je vois Samuel et son bateau. Je lui dirai d'aller. Il y a réellement personne derrière le bureau du grand superviseur. Que les esprits vous guident et que la tête de notre ennemi tombe sans qu'il puisse. Je peux monter là avec le clignement. Non. Ce toit là alors. Non. Soit je suis nul. Soit je suis nul. Alors attendez, par où il faut que je passe là? Peut-être sur le côté là? Ah ouais, ça doit être ça. Ok. C'est bon, j'ai vu. On va monter tranquillement. Voilà, monte par là mon ami. Allez. On va se mettre en mode planqué. Alors, il y a un mec, il y a deux mecs. Et là, il n'y a personne. On va passer par là, du coup. Je vais couper par la droite. Tout en restant planqué, bien sûr. Hein. Ok, donc lui est de dos. Il ne verra pas du coup. On va passer là. Voilà, donc il passe automatiquement sous les meubles et compagnie.
Ok, là-bas, il y a du monde. Ça va mal. Est-ce que l'état de la ville peut encore empirer? En effet, je le pense. Toi, t'es mort. Parfait. Il y avait un deuxième gars qui est juste ici. Ok, d'accord. C'est lui ça? Ouais. Ok. Ouais, je sais, je fais le tour 10 milliards de fois. Mais c'est pour que lui, je puisse le tuer tranquillement. Allez, dès qu'il se retourne, je sors de là et je le bute. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Du coup. Un autre en moins. Alors ce qui est vachement pratique, c'est que du coup, ils pourront pas retrouver les corps puisqu'ils disparaissent à chaque fois que je les tue par derrière. Oh, il y a du matos, j'aime bien. Oh, j'ai... Je pouvais pas transporter davantage de remèdes. Ok, faudra noter si jamais qu'il y a des remèdes juste ici. J'ai tout fouillé, hein. Ça, je peux pas en prendre plus non plus. Voilà, pareil. Ok. Ok, 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 ok. On est pas mal. Allez. On va y aller. Je vais attendre que lui se retourne. Voilà. Il y a toujours plusieurs chemins possibles. Rotin, rue principale, rue machin. Parfait. Je vais voir par là ce que ça donne. Ah. Donc ça, c'est un tunnel de rats. Si j'ai bien compris. Mais qui dit tunnel de rats dit rat, forcément. Je sens que ça va pas me plaire. Lol, c'est quoi? Il est censé y avoir des rats ici ou ça se passe comment? Ok, ok. Casser ça pour avancer. Où suis-je? Ah, des carreaux, encore des carreaux. Putain, on est tellement bien. Les carreaux, je suis à 10, j'ai même des carreaux incendiaires. Excusez-moi. Les carreaux, grenade, j'en ai une. Ça, faut que je teste. Ok. Non. Ouais, le cœur, qu'est-ce qu'il me dit? Putain, j'ai raté des trucs. Bon, c'est pas grave. Je le ferai plus tard, je pense. Allez, mon poteau. Ok. Pour l'instant, on a tué personne dans cet endroit-là. Ok, ok, ok. On va voir s'il y a du monde ou pas. Vers le chenil. Est-ce que là, il y a du peuple? À gauche, il n'y a personne. À droite, on voit rien. On va y aller. Ok, on y est. On est au bureau du grand superviseur. Ouah, les mecs, il y a trop de gens. Il faut aller par là-haut. Ok, là, c'est de là où je viens. On va
passer par là. Le cœur, il me dit qu'il y a un truc. Il y a une rune juste là. Il y a une rune là. Ok, il y a pas mal de trucs à proximité. Une spirale, c'est toujours bien. Ok, je peux pas prendre plus de spirales que ça. J'en ai 5, c'est le maximum. Je ne vois nulle part le journal de Campbell, mon frère. Je te dis que c'est de la folie. S'il me surprend ici, combien de fois dois-je le répéter? Campbell est à l'étage avec le capitaine de la garde. Il en a pour des heures. Continue de chercher. Et je t'ai déjà dit 100 fois, Archer, qu'il ne se sépare jamais de son livre noir, j'en suis sûr et certain. Si tu m'avais écouté dès le départ, nous n'aurions pas fait tout cela pour rien. Chut, écoute, qu'est-ce que c'est? Reste aussi. Ok, bon, ben, on peut pas passer par là, il me semble. C'était juste pour récupérer une spire. Ou alors, ah, passer de l'autre côté. Oula. Ok. Alors, il y en a deux, hein. Ouais, il y en a deux. On va essayer de se les faire tranquillement, les deux. Allez, lui a bougé. L'autre, il m'a pas vu, c'est parfait. Oula. Reste tranquille, gros. Ok. C'est pas loup, hein. Bon, je suis cramé. Ok, je suis ultra concentré, c'est pour ça que je parle pas trop, les mecs. Est-ce que ce serait pas le moment pour tester ça? Je sais que vous êtes là. Comment ça marche? Il y a un rôdeur en liberté. Allez, un peu, quelqu'un vient d'ici. Attention derrière lui. Attendez. Par là, les mecs. Ils sont où? Yes. C'est bon? Non, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. Du soin. Ok. Ok, ok, une grenade. Je prends. Ok, bon. C'est vraiment pas mal la spirale. Faut juste apprendre à s'en servir et... Et ce sera cool. Le note du cinémac. Salle de réunion. Est-ce que je peux aller par là? Bon, on a fait toute la zone. Enfin, en termes d'ennemis en tout cas. C'est plutôt cool. Ok, là y a rien. Oula, attendez, je suis où là? Oui, là c'est le chenil. Oui, je viens de là, je viens de là, je viens de là. Il faut que j'aille donc par là, hein, il me semble. Du coup, je vois que ça. Là-bas, on peut pas y aller. Là-bas, il y a quoi là-bas? Est-ce que c'est pas un des chemins possibles pour arriver?
merci. Oula, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je le ferai plus tard. On va se concentrer sur la mission principale, c'est-à-dire rentrer dans cette zone-là. Très bien. Allez. Oh, y a du monde. Oh putain. Ok. Là, il y a un mec qui est mort. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suppose que de l'autre côté, il y a le même mec. J'ai pas envie de me faire cramer. Ah bah. Et il est mort là? Ouais, il est mort. Putain, j'ai eu chaud! Là, y'a rien. Là, je suis planqué. L'arrière-cours, c'est pas par là. Faut que j'aille à la salle de réunion. Mais alors, attendez. Le cœur, il me dit quoi? Là-haut et en bas. Ok. Excès de schizophrénie, éclat de rire ou de larmes sans raison apparente. Un homme défiguré pourrait venir s'en guérir d'elle. Vous pourriez trouver dans la maison. Lui, il est mort. Ça, c'est fait. Ok, on va accéder à la salle de réunion. Ou en tout cas, c'est pas trop loin. Je peux toujours pas prendre de... C'est ça. Ah, je peux y accéder par en haut. Ah, ça, c'est bien, ça. Ok. Ok. Par où faut caler, qu'il faut caler là? Attendez, il y en a qu'un de mec. Bien sûr, je le vois plus. Aïe. Ok, il est mort. Je vais peut-être du coup le porter pour le foutre genre ici. Histoire qu'il soit pas trop à la vue. Et on va avancer, les amis. Donc ça, c'est la salle de réunion. Le cœur, il dit dans la salle de réunion qu'il y a un truc. Et ça, c'est en bas. Ok. Alors. Je vois personne. On raconte que la garde a du mal à contrôler les rues. Des enfants qui jouent. Rien de plus. Je vois. Et votre nièce, Elista, n'est-ce pas? Je tue tout le monde, moi, je m'en fous. Attends, est-ce que par hasard, je viens de me demander un truc, est-ce que par hasard, l'autre là,
que je devais épargner. Est-ce que du coup je le tue pas là? Si. Bon. Voyez-vous à moi, j'insiste. Je peux faire autre chose. Putain. Je peux. Tiens. Un domestique a dû la fermer en sortant. Voyons. Ça n'a pas l'air d'être la bonne. Pas celle-ci. Non. J'ai fait de la merde là, on est d'accord. Quand ce sera terminé, trouvez-vous de quoi vous occuper. Oh putain, les mecs, j'ai fait de la grosse merde. Donc il faut que je tue. Pas comment nous en sommes arrivés. Le bon Campbell, il faut que je le bute. Toute cette histoire pour une gata. Putain, j'ai laissé la porte ouverte. Ah, le con. Merci. Qu'est-ce que. Qui est venu ici? Acceptez toutes mes excuses, capitaine. Vous devez me prendre pour un bien mauvais hôte. Bon, je vais devoir me salir les mains. Je vous demande pardon? Rien du tout. C'est un coup de chance pour vous, capitaine. Je vais devoir déboucher mon meilleur cru. Laissons les hommes ici. Nous devrons le partager avec eux. À votre guise. Putain. Tant que nous réglons notre petit problème. Est-ce que par là, ça rejoint? Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ok, lui je l'ai tué. Et lui se casse. Parfait. C'était discret, hein. Eh gros, mais... Eh, va te faire... Hein. On se casse. Je trouve un moyen de me planquer. Je vais pas y arriver. Je suis mort. Je suis mort, on va la refaire. On va vite fait la refaire. Juste empoisonner le capitaine Campbell. Kurnov. Et on s'arrêtera là dès qu'on verra qui sera mort. Mettre le poison du côté de Campbell. Ok. On va vite fait patienter. Le voir mourir dans sa merde. Allez gros, ce qui est bien c'est que j'ai pas ouvert la porte cette fois. La discussion passera d'autant plus. Ce qui est fort c'est comment on sait lequel a été celui de Campbell et lequel aurait été celui de Kurnov. Allez gros. Vous serez relevé quand ce sera terminé. Trouvez-vous de quoi vous occuper en attendant? Je ne comprends pas comment. Ça s'est fait. Alors Kurnov, il faut pas que je le bute. Cette histoire pour une cata. Prendrez-vous du vin? C'est un rouge de Tivia. Kurnov, il faut pas que je le bute. Bien. Venons-en au fait. Que s'est-il passé la nuit dernière? À vrai dire, je n'en suis pas sûr. Mes hommes. Santé, gros. À la tienne. Peut-être un peu trop de vin. J'espère que tu vas en profiter parce que ce sera le dernier. 10 minutes plus tard, Trevor's Alley n'est plus qu'une mare de sang. J'aurais presque aimé être là. Assez rapide. Ce n'est rien, cœur d'eau. J'ai avalé de travers. Bref, parlons des superviseurs.
tout aussi coupable que mes hommes, si ce n'est plus. Sauf que mes superviseurs ont une réputation à protéger. Je ne peux pas vous permettre... Oh non, c'est impossible. Qui a fait mais ça? Mais que diable racontez-vous? Le temps presse. Écoutez-moi bien. Vous devez dire au Lord Régent de brûler le livre noir. C'est compris? Brûlez-le. Quel livre noir? De quoi parlez-vous? Dites-lui. Et que la peste vous emporte, maudite incapable. Je vous ai toujours détesté. Par contre, là, je l'ai bien tué. Par contre, je suis pas d'accord là. Gros, je t'ai pris par derrière là. T'es censé être mort avant. Tu m'as pas vu. Caché. Ça, il faut que je le prenne. Ils ont fermé la porte. Ok, ok. Du coup, faut que je me casse là. Là, c'est quoi ça? Je prends. Oh, 100 pièces, c'est bien ça. Ok, ok, ok. J'ai sauvé Kurnov. C'est parfait. Ah, ça doit être le bordel dehors. Je vais ressortir par le même endroit. Vous savez quoi? J'ai envie de passer par là et les buter. Toi, t'es mort. T'as participé aux fouilles la nuit dernière? Toi t'es mort. Toi t'es mort. On va essayer de vider un peu la zone. Rapidement hein. Salle d'interrogatoire. Oh des sous. Et une spirale, ça c'est cool. Ok. Ah là, il y avait quelqu'un tout à l'heure. Reprenons depuis le début. C'est Martin qui a organisé son évasion de Coldridge. C'est une évidence. Mais pourquoi Corvo? Ah mais je suis pas passé. Si, je suis passé par là, non? J'ai continué tout droit comme un bourrin. Tous ces hommes qu'il a tués. Vu la manière dont cela s'est passé. Si là il y a un mec. Il avait de l'aide, oui. Mais qui au juste? Qui est mort d'ailleurs? Ça remonte à Martin. Voilà. Ça je prends. Ça je lis. Voilà. Vous mettrez pause comme d'hab. Un peu de vie. C'est cool. Putain, c'est tellement grand. Alors attendez, qu'est-ce qu'il faut que je... J'ai pas d'autres missions vite fait. Épargner, c'est fait. Ok. J'ai fait tout, j'ai tout fait là. Ok, ok, alors là j'ai buté du monde. Là j'ai fait.
Là, je viens de là. Ici, y a rien. Je peux passer par les fenêtres pour me barrer. Mais vous savez quoi, les amis? On va se laisser là. Moi, je vais faire mon petit loot tranquille en solo. Il me faut une nouvelle sauvegarde. Je vais faire mon petit loot en solo histoire d'être tranquille et comme ça le prochain épisode on aura directement la suite. N'hésitez pas à clap, commenter, liker, abonnez-vous à la chaîne et partager la vidéo si ça vous a plu. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde.